Cette réunion au Gaumont a été magnifique. Je ne m'attendais pas à tout ça de monde. Le premier constat, c'est que de plus en plus, les grandes salles deviennent très petites pour accueillir le grand assemblée qui ne cesse d'enfler. Je dois remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris l'initiative pour que le succès soit rendu. Mes remerciements vont bien sûr au maire de la ville de Gaumont, j'ai nommé Gilbert Boutillier, qui a mis gracieusement à notre disposition cette magnifique salle. Mes remerciements vont également à son conseil municipal. Et pourquoi? Parce que je respecte les opinions de chacun de son pays. Je n'impose rien. Mais je rappelle que quand bien même les maires ont un rôle très positif à jouer dans ce pays, j'ai été maire moi-même. Je sais de quoi je parle. Mais je pense que cette élection ne doit pas être uniquement municipalisée. Et que les électrices et les électeurs auront le moment venu de choisir le candidat maire, l'équipe municipale. Mais pour le Grand Assemblée, ce qui importe, c'est de mettre une autre équipe en place. Pour la mise en place de cette collectivité territoriale de Martinique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'équipe qui a failli sur tous les plans, c'est la cata généralisée. Vous imaginez, dans des difficultés immenses, et je vais peut-être terminer par ça. Je n'avais pas poursuivi les gens devant les tribunaux. Je n'avais pas dit qu'ils n'avaient rien fait. Je n'avais pas dit qu'ils avaient dérobé les fonds publics. Actuellement, c'est l'inverse qui se produit. Nous avions redressé les finances de la région de l'époque au point que nous avions hissé la région Martinique au 12e rang de toutes les régions de France. Aujourd'hui, retenez bien ça, la région Martinique est classée avant-dernière. Et on dit que ça va bien. Il y a une chanson qui dit... Madame la marquise, tout va très bien, j'ai envie de dire, en masculinisant les propos, monsieur le marquis répond que tout va très bien, monsieur le marquis, mais non, nous marchons à reculons. Et c'est pourquoi nous lançons un appel pressant, digne, courageux et salutaire pour que, dès le 6 décembre, une nouvelle équipe entre à la direction de la collectivité territoriale de Martinique. Faites confiance à vous-même. Faites confiance à ce pays. Ne vous laissez pas voler votre victoire. Voilà,